Congo number one. Il n'y a pas deux quoi. Donc, Balobi, Congo ya yambo. Congo moko namukili. Congo number one. Numéro un. Congo moko namukili. Congo number one. Tara nga moroso ni an number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Te Congo ka number one. Number one. Congo number one. Toujours number one. Congo is number one. Hein? Oh, botunai ngalema niniva. Congo number one. Meilleur Congo, 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 number, number, one, one, one. Donc numéro 1, c'est encore numéro 1. Donc tu n'y as pas eu, donc il faut qu'on compte pas dans la 1. Number one, Congo, number one, toujours number one. Congo, 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 number one, Congo, number one. Numéro 1, Congo, number one, Congo, number one, toujours number one. Parce que je prends l'exemple d'un Camerer. Oui. Camerer arrive. Il était un ancien Mobutiste, l'union des jeunes Mobutistes, avec les Lisanga Bonganga, avec tous ces jeunes-là que vous connaissez. Aujourd'hui, Camerer passe par, parce qu'il était de l'Est, il a la facilité de pénétrer les milieux de l'AFDEL. Vous prenez quelqu'un comme Badibanga, par exemple, un homme d'affaires. Le fait qu'il ait manadié les affiches de la campagne de Tshisekedi, il devient plus opposant que l'opposant qu'il a trouvé. Il y a les jeunes comme ceux qui crient aujourd'hui au Parlement là. Ils sont nombreux, les garçons ici, c'est qui Kovo Ingila, qui se dit plus opposant. Non, mais c'est l'enfant Mobutiste. Ils étaient parmi les kawélistes qui nous ont offensés, opprimés, donc qui nous ont malmenés au campus. Kampala n'aura, il n'y aura rien. Parce qu'il y a des acteurs extérieurs et des acteurs externes qui sont en train d'attiser le conflit. Et il y a des acteurs internes. Dans les lots des acteurs externes, vous trouvez notamment les Kagame. À l'intérieur, nous avons tous ces groupes-là, des Camerer, les autres sont nombreux. Ils sont nombreux qui font des navettes aux États-Unis. Bon, ils sont là, hein, les Makila, les autres. Comment vous jugez le une année de ces gouvernements mis en place? Donc nous parlons de Matata Ponyo. Kin Express vous présente le nouvel album du frère Atom et la sœur Nadège. Culte, votre album. Découvrez votre album culte disponible. Un album qui nous pousse à adorer le Seigneur. Avec des titres tels que Ngwende, Sokiyote, Tout est grâce. Découvrez cet album culte et passez un véritable culte dans la présence du Tout-Puissant. Avec le frère Atoms et la sœur Nadège. Une production de Kin Express. Un album à découvrir en exclusivité. Vous qui aimez passer du temps dans la présence de Dieu, vous qui aimez la méditation, vous qui aimez vivre dans la consécration, dans la prière, culte, c'est votre album. Un album déjà disponible. Disponible chez Kin Express, chez Casarima et chez tous les revendeurs habituels.
Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue sur www.congonumberone.com. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver nombreux en train de nous suivre dans le cadre de cette émission consacrée à la politique. Ce soir, nous recevons pour vous M. Bavon Minga, de l'opposition bien sûr. Il est coordonnateur adjoint de l'Union pour la Nation, président du parti de Front des libéraux nationaux FNL, opposition républicaine bien sûr. Il est président en exercice du forum de réflexion sur les relations internationales, FORI en sigle. Et il est encore coordonnateur de l'Union pour le développement de Mweka, UDM. Et c'est avec lui que nous allons nous entretenir ce soir. Je salue M. Bavon Minga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, sans plus tarder, nous allons aborder l'actualité qui reste dominée aujourd'hui par la CENI qui vient, d'être reconduit d'une autre façon maintenant, avec 13 membres au bureau. Quelle est votre appréciation? Voyez-vous que les choses marcheront mieux cette fois-ci? Je pense que je suis heureux de répondre à votre invitation. Au sujet de la nouvelle configuration de la CENI, la population congolaise, de l'intérieur tout comme de l'extérieur, devra retenir que la démocratie a ses caprices et la démocratie s'adapte à la culture de chaque peuple. Chaque pays a un modèle de démocratie en fonction de sa culture, de sa civilisation. Aujourd'hui, nous sommes partis d'une nouvelle expérience jamais vécue avec la CI. Et de la CI, nous sommes aujourd'hui à la CENI avec tout ce que nous avons connu comme les hauts et les bas. Du coup, la population se dit la CENI n'a pas travaillé comme il se devait. Il fallait la sanctionner. Les voix sont levées. Ça, c'est en démocratie. Et parce que la démocratie s'accompagne avec la pression, les gouvernants ont cédé. Parce que le pouvoir appartient au peuple primaire. Ce qui a fait qu'il y a eu un projet de loi qui a fait objet de débats au sein de l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on a adopté. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a promulgué. Ce projet de loi qui fut voté. Il ne reste qu'à mettre cette loi en pratique. Pour moi, je me réserve de tout commentaire parce qu'il est question d'abord de la sérieuxité des acteurs politiques. Nous sommes en train d'évoluer dans une méthode de tâtonnement. On ne sait qui est sérieux, qui ne l'est pas. Tout le monde aujourd'hui se dit agneau. Il suffit de lui tendre la brèche. Et demain, il vous démontre qu'il était loup. Donc, nous nous sommes réservés de faire tout commentaire, mais nous exhortons notre population à demeurer trop vigilante, parce que une fois les acteurs qui sont tentés aujourd'hui de se bousculer au potillon des postes vacants sont là, sont désignés, il faut qu'ils subissent aussi la même pression comme les autres l'ont subi, afin qu'ils puissent répondre aux attentes de la population. Je ne peux pas dire que ça ira ou ça n'ira pas. En Chiluba, on dit, ma passe bateau à moyenne n'a pas Luanda. C'est-à-dire, preuve par neuf. Ceux qui veulent s'assumer, ceux qui veulent assumer différentes fonctions, doivent d'abord faire un examen de conscience pour comprendre que le peuple a tant souffert. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du changement, nous sommes à l'ère de l'évolution. Il ne faudra pas jeter encore de l'opprobre sur la mémoire et des martyrs que nous sommes en train de pleurer à cause de cette lutte que nous avons menée depuis des années. Voyez-vous, de votre côté de l'opposition, vous criez quelque part déjà, parce que c'est un pas. Après tant de réclamations, avec la CI qui a
n'a pas du tout bien marché. Aujourd'hui, la CENI, vous avez réclamé beaucoup concernant l'organisation de choses et puis la vérité et tout ça. Et quelque part, vous criez déjà à la victoire, parce que en attendant voir les choses se réaliser normalement. Moi, je pense que ce n'est pas la victoire de l'opposition, c'est la victoire de la population congolaise. Parce que parmi les revendicants, il y avait aussi une couche de population faisant partie de la majorité. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est l'intérêt majeur du Congo et non de nos partis politiques, moins encore de nos composantes. Parce que dans l'opposition, tout comme dans la majorité, il y a des tops. Ils peuvent passer dans des médias, faire beaucoup de bruit. Nous voulons le changement, nous voulons le changement. Et puis se dire que c'est nous qui avons arraché cette victoire. Non, c'est la population qui nous a accompagnés dans cette démarche. C'est à la population de comprendre qu'elle a gagné son pari et qu'elle doit maintenant attendre les fruits. Hein? Il ne faut pas que cette population soit encore tournée en bourrique une fois de plus. C'est pourquoi je venais dire tout à l'heure que j'invite la population à la vigilance. Pour que les membres qui seront, les acteurs qui seront désignés soient des acteurs modèles et que cette population se retrouve dans ces acteurs, soit-ils de la société civile, de l'opposition, comme de la majorité. Parce qu'aujourd'hui même au sein de la majorité, on ne parle pas le même langage. Mm-hmm. Il y a les pots de bananes qu'on se jette, toujours en raison de la course au pouvoir. Mm-hmm. Dans l'opposition, la même chose, tellement qu'elle est plurielle, il y a beaucoup de bêtises. Hein? Et dans la société civile, on ne parle pas sur le même ton. Donc, le grand problème, c'est que la classe politique congolaise n'est pas mature. C'est ça. Hein? Mmh. Et nous avons envisagé à son temps le renouvellement de la classe politique. Mais c'est un processus qui va beaucoup durer. Nous nous contentons d'abord de ce qui est en train de se passer. Et on verra comment on va infiltrer les nouvelles donnes afin de changer le paysage politique. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait vraiment la force de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition est fragilisée. C'est même pour choisir le porte-parole de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, il est difficile de sortir une tête après plusieurs ententes, réunions entre vous de l'opposition, mais nous ne voyons toujours pas une tête sortir, n'est-ce pas, parmi vous. Comment vous voyez, et puis maintenant la majorité commence à s'ingérer dans ces problèmes et veut maintenant choisir un leader dans l'opposition pour, n'est-ce pas, faire de lui le porte-parole de l'opposition. Comment faites-vous cette analyse-là? Non, mais moi je pense que il faut briser les mythes autour de la question du porte-parole de l'opposition. Parce qu'il y a trois facteurs qui dictent notre raisonnement et notre lecture des faits. D'abord, il y a les critères d'identité, il y a les critères d'orgueil, et puis il y a les critères qu'on appelle l'authenticité. Je vais m'expliquer. L'identité, brièvement, quelqu'un qui était mobutiste, qui a combattu la démocratie, parce que nous avons accompagné Fémouzé Laurent Désiré Kabila à pouvoir chasser Mobutu, il se trouve dans la rue, directement il devient opposant. Il veut devenir plus opposant que nous. Nous ne l'avons pas accepté. Nous les avons connus. Ok? Dans la même logique d'idée, vous avez quelqu'un qui était kabiliste, néo-kabiliste, en passant par mobutiste, parce qu'il ne se retrouve plus à cause d'un comportement de malversation, un comportement indigne, par orgueil. Il s'est dit, non, écoutez, maintenant moi, je dois maintenant chercher à devenir opposant, plus opposant que ceux qui sont là. Donc, la méfiance s'installe. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler le même langage. S'il y avait un problème de conscience, la conscience que j'évoquais tout à l'heure, que ceux qui viennent d'arriver comprennent qu'ils doivent d'abord être soumis à une cure de purification. Parce que l'opposition se vit et ne se décrète pas. Ils devront comprendre qu'ils devaient venir humblement subir d'abord cette cure de purification pour qu'ils comprennent comment on vit dans l'opposition et qu'ils acceptent de vivre la misère, c'est des sacrifices et tous les maux qu'on reconnaît dans l'opposant, je pense qu'on pouvait parler le même langage. Or, et en venant, ils viennent pour chercher la gloriole au travers ceux qui ont fait une grande lutte qui a libéré cette population. Et ce qui a fait que nous ne pouvons pas accepter l'authenticité. Il y a ceux-là qui se disent, nous avons mené la lutte pour le changement de ce pays. Et maintenant que nous sommes en train d'y arriver, oui, nous avons refusé l'argent, nous avons refusé les luxes, nous avons refusé les postes. On a sacrifié nos familles.
nous sommes des victimes. Mais il y a un imposteur qui vient parce qu'il y a l'argent. Du coup, il s'autoproclame grand opposant. Avec son argent, il achète les journalistes, il achète les petits opposants qui sont derrière les gens pour réclamer un peu de moyens. Et du coup, il s'est dit, bon, écoutez, à part moi, il n'y a pas plus opposant que moi. Comment voulez-vous que nous puissions parler le même langage? Dès lors que nous n'avons pas résolu ces trois fléaux, on ne parlera pas le même langage. Parce que je prends l'exemple d'un Kamer. Oui. Kamer arrive. Il était un ancien bouddhiste, l'union des jeunes bouddhistes, avec les Lisanga Bonganga, avec tous ces jeunes-là que vous connaissez. Aujourd'hui, Kamer passe par, parce qu'il était de l'Est, il a la facilité de pénétrer les milieux de l'AFDEL. Hein? Il est passé par la Monique à l'époque, pour chuter dans le gouvernement Kabila, Joseph, hein? Et devenir plus tard président de l'Assemblée nationale. Parce que c'était mal comporté, il n'était pas discipliné. On les sanctionne, ils se reversent dans l'opposition et ils veulent prendre la tête de l'opposition. Tu penses que nous pouvons accepter quelqu'un qui nous a malmenés depuis Mobutu, depuis Kabila père, en passant par Kabila fils, devenir notre chef de file de l'opposition? Je pense non, ça sera de l'injustice et là nous allons combattre jusqu'à verser la dernière goutte de notre sang. Vous prenez quelqu'un comme Badi Banga par exemple, un homme d'affaires. Le fait qu'il ait manadié les affiches de la campagne de Tshisekedi, il devient plus opposant que l'opposant qu'il a trouvé. Alors qu'il l'a fait parce qu'il a des liens de famille avec Tshisekedi, par son fanatisme, hein, à l'approche des élections. Mm-hmm. Vous croyez vraiment que quelqu'un comme moi, je peux accepter que Badi Banga est plus opposant que moi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a les jeunes comme ceux qui crient aujourd'hui au Parlement là. Ils sont nombreux, les garçons ici, c'est qui Kovo Ingila, qui se dit plus opposant. Non, mais c'est l'enfant mobutiste. Ils étaient parmi les kawélistes qui nous ont offensés, opprimés, donc qui nous ont malmenés au campus. Parce qu'ils soutenaient Mobutu et que nous, on faisait de l'opposition. Un jeune comme ça, Mobutu parti, par haine, il veut se faire opposant en allant se frotter contre Tshisekedi. Et tout à coup, il veut montrer aux gens que c'est le meilleur opposant. Et vous croyez que moi qui connais son parcours, je vais accepter qu'il est opposant? Non. C'est raison pour laquelle j'ai dit, nous sommes à l'ère de l'évaluation. Si on ne sort pas un porte-parole authentique, le bateau va chavirer. Oui, le pays connaît actuellement de sérieux problèmes à l'Est. Et ça fera maintenant pratiquement 20 ans. Que l'Est est vraiment fragile, où il y a de guerres, succession de guerres, nous avons perdu beaucoup de Congolais. Et alors, aujourd'hui, il y a le M23 qui est à Kampala avec le gouvernement en place. Je pense que vous avez suivi comment ça se déroule là-bas. Quelle chance, quelle issue donnez-vous à ces pourparlers de Kampala, monsieur Minga? Monsieur le journaliste, je pense que comme Congolais, nous avons presque la même lecture. À Kampala, il n'y aura rien. Parce qu'il y a des acteurs extérieurs et des acteurs externes, hein, qui sont en train d'attiser le conflit. Et il y a des acteurs internes. Dans les lots des acteurs externes, vous trouvez notamment les Kagame, hein, les hommes forts qui ont fragilisé l'armée congolaise et qui savent aujourd'hui comment manipuler les militaires qui sont à l'Est. Le Congo ayant connu une décadence sur tous les plans, il fallait la relever. Et à son temps, moi j'avais proposé qu'il y ait une table ronde sur la paix et la sécurité, d'une manière générale. C'est à l'issue de cette table ronde qu'on devait discuter des grandes questions de développement et de sécurité de notre pays. Mais aujourd'hui, on est tenté de nous joindre autrement pour parler de consultations qui vont aboutir à un dialogue. Je pense que c'est presque la même formule. Hein, ils n'ont pas voulu accepter ce que nous avons proposé comme terme. Oui. On accepte qu'on y aille. Chaque parti politique, chaque composante a son cahier de charges. Oui. C'est autour de ça que nous allons discuter pour dégager une feuille de route qui pourra gouverner la RDC. Oui. Et cette feuille de route-là pourra servir de référence à tous les acteurs politiques qui vont se succéder au sommet de l'État. Okay? Mm-hmm. Donc, quant à dire que Kampala, non, Kampala, il n'y a rien parce que Kampala sont des mèches avec les M23, avec les agresseurs. Et ils sont même les grands agresseurs qui se cachent derrière leur vallée que vous appelez M23. Mm-hmm. Donc, c'est une agression par procuration.
Hein, on ne peut pas passer par quatre chemins. Et j'avais dit que Kampala va accoucher d'une souris, ça accoucher d'une souris. À l'intérieur, nous avons tous ces groupes-là, des Kamere, les autres sont nombreux. Sont nombreux qui font des navettes aux États-Unis pour demander le soutien afin de remplacer Kabila. Moi, je demande, on est opposant. Oui, par quel miracle? Dès lors qu'un chef d'État a prêté serment, vous ne l'avez pas empêché. Et après, vous dites non, on va par la voie du dialogue pour que nous puissions le remplacer. Mais nous sommes en train de mettre notre pays sous tutelle jusqu'à quel niveau? Parce que même les Occidents, là, auprès de qui nous allons soumettre un tel cahier de charges, ils nous trouvent ridicules et ils disent que nous ne sommes pas matures. Je ne suis pas en train de souscrire à ce schéma-là. Je me dis, s'il y a une tricherie, d'accord, mais parce qu'on ne veut pas parler le même langage. Parce qu'en politique, toutes les méthodes sont bonnes. Pourquoi on a parlé de la fraude électorale en sociologie politique? Il n'y a que ceux-là qui n'ont pas étudié les sciences politiques qui ne comprennent pas que toutes les méthodes sont bonnes. Okay. Et si je parle en tant que scientiste et en tant que scientifique, je ne vais pas entrer dans des considérations purement politiques parce qu'aujourd'hui je fais une opposition républicaine. Et quand on dit radical à radical, c'est le peuple qui en pâtit. Nous cherchons une solution juste milieu pour que le peuple respire et que nous puissions l'amener vers une solution totale définitive afin qu'il se retrouve. Donc nous les avons, ils sont là. Hein, les maquillas, les autres, ils sont des mèches avec ces gens-là. Et ils constituent une force, parce que dedans, tout ce que nous faisons, toutes les stratégies qui se font, et après les autres pour dire non, attendez, attention, là, ici ils ont fait comme ça, vous là-bas prenez telle position. Donc, et dans l'entente, il faut les navettes vers l'extérieur du pays, vers tous les pays qui soutiennent les agresseurs, afin de trouver leur compte. Moi je pense que nous devons arrêter l'immoralité politique. Si je vous comprends bien, nous sommes parmi cette nouvelle vague de politiciens qui veulent aujourd'hui briser les mythes. Pour dire à chaque acteur, et si ça va, on te laisse faire. Là-bas, ça ne va pas, tu dois te taire. Faute de quoi, nous le disons en public. Parce que nos frères qui sont en Europe, qui considèrent que tout le monde est corrompu, ils ne vivent pas la réalité du pays. C'est là qu'ils accueillent. Pour croire que ce sont les donneurs de leçons ou les sauveurs de l'humanité, ce sont ceux-là qui ont hypothéqué la vie de notre nation. Et ils doivent le savoir au travers de vous. Ce n'est pas pour rien que j'ai répondu à votre invitation, parce que depuis une année, j'avais gardé les mythes de silence, mais j'ai voulu briser ça afin que je puisse m'expliquer devant l'opinion tant nationale qu'internationale. D'accord. Il faut le comprendre de cette façon-là. Ok. Monsieur Bavon, nous allons un peu baisser la tension. Comment vous jugez une année de ces gouvernements mis en place? Donc nous parlons de Matata Ponyo, bien une année déjà. Comment faites-vous, n'est-ce pas, son bilan, si vous, en tant qu'acteur politique? Bon, moi je suis politique, hein. Et je suis plus du côté de la population. Je pense une année d'échapper de bonnes intentions. Hein, je constate, comme l'ensemble de la population, que nous sommes qu'au niveau de bonnes intentions, mais sur le terrain, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait. Peut-être que le chef de l'État a une recette magique qui pourrait donner à Matata pour se tirer de cette situation. Mais sinon, Matata n'était pas un ministre à la hauteur d'un Congo qui sort d'une grande crise. Hein? Et parce qu'il nous avait fallu un ministre totalement politique pour faire face à la fois à la guerre de l'Est et aux grognes de Kinshasa, donc de la population dans l'ensemble du pays. Mais avec Matata, c'est l'homme des macroéconomiques qu'on sort. Lui, c'est les finances qui l'intéressent. Et je ne sais à quel niveau il est arrivé. En tout cas, vous m'épargnerez de toutes ces considérations. Je ne suis pas économiste, mais à tout ce que je sache, rien n'a décollé. D'accord. Monsieur Minga, pouvez-vous nous faire l'évaluation de l'opposition politique de la République démocratique du Congo? Mais je ne sais pas quelle évaluation vous voulez. Parce que je serais totalement mal à l'aise si je ne dis pas la vérité à l'opinion. Nous sommes en perte de vitesse parce que j'ai évoqué trois raisons, que j'ai nommé trois fléaux qui ont bloqué la désignation d'un porte-parole par consensus. Je pense que ces trois fléaux-là sont en train encore de jouer un grand rôle au sein de l'opposition politique. Parce qu'il y a beaucoup de tops que nous avons appelés des mercenaires. Hein? Ils sont arrivés
les uns avec les missions de nous déstabiliser, les autres avec la mission et les missions de nous défier. Ce qui fait que, avec les pouvoirs financiers qu'ils ont, nous avons difficile à démontrer à la population que nous sommes infiltrés et que nous pouvons aujourd'hui prendre, parler le même langage. La population est totalement désemparée avec les miettes qu'on est en train de jeter partout par tous ces prédateurs, hein, ces fossoyeurs de notre économie qui sont passés dans toutes les institutions, qui ont ramassé, et avec ça, ils veulent se faire donner des leçons. Je pense que nous devons reconstituer la classe politique, surtout au sein de l'opposition. Nous sommes en perte de vitesse et nous avons songé à la renaissance de cette opposition. Oui, M. Minga, nous abordons maintenant un autre angle. Vous avez soutenu M. Évariste Boshab, Benetton de l'opposition. Quelle était votre motivation pendant ce moment-là? Et vous n'avez-vous pas tenu compte de cette population qui a toujours compté sur vous, étant de l'opposition, afin de défendre réellement les préoccupations de l'opposition et de la population plutôt? Et vous avez vu soutenir M. Évariste Boshab, quelle était votre motivation? Monsieur le journaliste, ça me peine un peu. Je me demande, ce nom-là, M. Évariste Boshab, c'est un diable au Congo ou quoi? Parce que lorsque vous dites, je l'ai soutenu, moi j'ai l'argent pour le soutenir. Non. Donc, j'ai quoi, moi? J'ai dit ceci. Donc, si je peux bien formuler, vous l'avez soutenu dans sa campagne électorale. Je ne l'ai pas soutenu dans sa campagne électorale. Oui. Il était mon adversaire. Vous savez, l'opposition était indisciplinée. Hein, avec le phénomène Tshisekedi qui avait taxé tous les opposants de voleurs, notre campagne était déjà désengagée. Oui. La population nous avait plus fait crédit. On ne pouvait que faire crédit aux piètres qu'on avait recrutés dans l'IDPS pour se présenter comme candidat. Alors que les vrais candidats, c'était nous dans l'opposition. Donc, j'avais expliqué clairement. Parce qu'il faut avoir la maturité de dire la vérité. Sinon, elle va me rattraper un jour. Hein? Oui. Vous voyez, les gens doivent comprendre que un acteur politique reste un acteur politique. Évariste Boshab, ce n'est pas un diable. Parce que si vous passez dans certains milieux, on va dire qu'il a sauvé le régime ou il a sauvé son parti politique. Mais nous qui sommes les adversaires politiques du régime, nous allons dire non, ça n'a pas été comme cela. C'est de la bonne guerre. Au-delà de ce que vous croyez, il est parent. Il y reste. Quand j'ai fait l'opposition contre son régime, lui a estimé que c'était une opposition que j'avais faite directement vis-à-vis de lui. Or, ce n'était pas ça. Hein? Aucun enfant, même si aujourd'hui il a quelle dimension, peut faire l'opposition à son parent. Mmh. Et je ne pouvais pas me désengager parce que j'avais un objectif à atteindre dans ma lutte. Mmh. Et que je lui avais dit, oui, en famille, on est parents, mais devant la scène politique, je suis opposant et je suis un acteur. Un acteur n'a pas de parents. Mmh. Okay? Mmh. Mais lorsqu'aujourd'hui, nous disons qu'il a opté pour une certaine philosophie, une certaine méthodologie qui respecte les normes politiques, qui respecte une déontologie des partis politiques. Comment voulez-vous que moi, qui ai compris des choses, je puisse aujourd'hui m'ériger en bourreau ou bien un obstacle contre sa marche politique? Parce que, qu'on le veuille ou pas, les moyens qu'il a, la popularité qu'il a aussi, il ne pouvait pas s'empêcher de devenir député. C'est de là que vous évoquez, je pense. Okay? Mais lorsque nous arrivons sur le terrain, nous trouvons que ceux qui pouvaient me soutenir deviennent indisciplinés. Okay? Chacun se porte candidat. 60 candidats face à un candidat. Vous calculez les voix, vous trouvez que les 40% qu'il a, il les a obtenus. Et les 60% que nous avons, nous les avons émiettés. Et vous revenez pour dire, on a triché. Non, ça c'est une attitude de mauvaise foi, c'est une immoralité politique. Hein? À un moment donné, il faut avoir une vertu. Et en politique, je ne pense pas que la politique c'est le mensonge, comme les gens sont tentés de l'interpréter à la cité. Hein? C'est une vertu aussi. Oui. Hein? L'art de gérer une société. On ne peut pas gérer toute une société avec les mensonges. Je me suis dit non. J'ai expliqué, il n'y a pas eu fraude, il n'y a pas eu tricherie. D'ailleurs, il n'était même pas sur le terrain. Il avait une équipe forte de campagne.
Hein, avec tout ce qu'il a comme aura, je pense qu'il ne pouvait pas manquer les voix qu'il a aujourd'hui. Parce que même on avait brûlé certains de nos bureaux. On pourra noter que vous n'avez pas fait partie de cette équipe. Non, j'étais candidat. Oui. J'ai bâti ma campagne. Et j'ai bâti la campagne de Tshisekedi. Quoi qu'il nous ait renié. Mmh. Hein, mmh. Allez vous renseigner. Mais j'avais demandé que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Parce que je suis l'initiateur de l'ONG Mweka sans conflit. Et j'avais dit en 2011 qu'il n'y ait plus de conflit, que le meilleur gagne. Okay. Et lui était meilleur, il a gagné. Je me suis incliné. Je me suis incliné. Mmh. Comment aujourd'hui vous estimez que je puisse encore passer pour lui? Non, il n'a pas gagné, c'est moi qui ai gagné. Alors que je sais que l'équation telle que démontrée ne nous avait pas donné raison, nous tous les candidats de l'opposition, les celles de l'IDPS qui a eu un peu de chance, a été entraînée sur la liste des trois députés élus de Mweka. Donc, il n'y avait pas polémique autour D'accord. de cette question. Okay. Et je me suis dit, il mène sa lutte pour l'intérêt de nos communautés. Moi aussi, je mène ma lutte pour l'intérêt de nos communautés. Si le soir, nous nous retrouvons et qu'on peut parler famille, on parle famille. D'accord. Mais politique, moi, je ne parle pas politique. Tout à fait. Je voulais savoir maintenant quelle est votre relation avec M. Varis Bocham. Mais je vous dis que nous avons les relations de famille. Okay. Nous avons les relations de famille et je respecte ces relations-là. Hein? Okay. En famille, il peut tourner sur moi, il peut gueuler sur moi, mais quand nous retrouvons sur la scène politique, et il est en face de moi. Oui. Il est du pouvoir, c'est l'opposition. Nous regardons comme ça, nous discutons, mais avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de modestie. Ok? Oui. Et je pense qu'il a compris. Il me considère, et je le respecte, un parent. Je l'appelle comme tel. Moi, je ne l'appelle pas leader, je ne l'appelle pas professeur, je l'appelle tonton. Je me limite là. Okay. Hein? Et puis, il sait, je ne peux pas l'appeler honorable SG consort, je l'appelle tonton, comme tous les neveux l'appellent tonton. Je le fais aussi. Ça, c'est un devoir sociologique qu'on ne me prête pas trop d'intention parce que si j'étais acheté, comme on le dit, consort, au-delà de tout ça, sachez que c'est un parent. Hein? Oui, oui. Parce que nous avons vu les Germain Kambinga dans les MLC et les Kambinga père dans la majorité, ils ne se sont jamais tiraillés. Mais pourquoi vous voulez que moi je puisse tirer à boulet rouge sur mes parents? Non, je pense que c'est une immoralité que nos acteurs qui veulent me soutenir m'aident quand même à me délier de ces liens-là négativistes. D'accord. Parce que je serai rattrapé par l'histoire et j'aurai de comptes à rendre à ma communauté. Ok, oui, M. Minga, la réalité nous fait signe que il nous reste quelques minutes avant d'arrêter notre émission. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire à cette population qui vous suit en ce moment, vos projets d'avenir interpolitique? Moi, je pense que parce que vous avez peu de minutes, je ne peux pas parler des projets d'avenir. Je mène ma lutte comme telle. Je vais seulement parachever pour dire que ça me fait mal lorsque je trouve que quelqu'un qui s'est poumonné pour le bien-être de la République, qui a sauvé ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, hein, en remettant leur maison, leur bien, celui qui a décidé, hein, malgré la résistance des autres caciques du régime Afdel. Mais lui a dit non, 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 ça ce n'est pas correct, vous remettez. Ils ont applaudi. Mais aujourd'hui, ils commencent à jeter des flèches vers sa direction. C'est une situation que je vais bien expliquer. Hein, parce qu'on ne veut pas de lui. La seule raison, parce qu'il soutient Kabila. Ça, c'est de 1. Soit on ne veut pas de Kabila. Mmh. Et qu'on veut l'affaiblir afin qu'il comprenne qu'il faut abandonner Kabila. Ok? Mmh. Et soit qu'on voit que son ascension fait de la truie à certains de ses adversaires. Hein? Parce que j'ai vu tout le monde qui tire sur lui n'a pas de leçons à nous donner. Chacun a son histoire. Et l'histoire que je maîtrise très bien. Et que si nous mettons sur la balance, ils n'auront pas le courage de regarder par deux fois l'homme sur qui il tire. Hein? Il a une morale justifiée. Et il a sa loyauté vis-à-vis de son chef, qu'on le laisse faire son chemin. Okay? Ok. Au lieu de chercher les pouces sur sa tête. Parce que si vous estimez qu'il est mauvais, mais allez le pendre chez lui, vous connaissez chez lui. Hein? Que créer les insultes. Un père de famille, vous l'insultez gratuitement. Et comme lui n'a pas le cœur de tuer même une mouche, il se réserve. Mais même ses enfants finiront par les venger, hein, un jour. Okay? Ce qui se fait d'un côté, c'est défait de l'autre. Qu'on arrête. Parce qu'on n'arrête pas, je pense que je vais enlever ma veste d'opposant et je me remets dans ma logique de la famille pour essayer un peu d'expliquer à chacun ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce
qu'il n'avait pas fait à son temps. D'accord. Ok. Oui. Donc nous devons un peu être modérés vis-à-vis de nos prises de position, arrêter notre orgueil gratuit, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous tous, même les instigateurs que je connais très bien. Hein, je les ai surpris dans des réunions, consorts, mais ne faites pas ça, vous cherchez sa tête, mais on va nous pointer du doigt. Okay. Hein? Okay? Mmh. Donc il faut chercher à modérer le comportement, faire une lutte loyale, hein? Un combat loyal, au lieu de se plonger dans les bassesses que je suis en train de voir aujourd'hui dans les différentes presses, ça m'étique et je suis prêt à pouvoir répondre. Merci. Okay. Monsieur Bavon Minga, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Avant de terminer, j'aimerais remercier l'équipe qui a, n'est-ce pas, réalisé cette mission avec moi. Mais je remercie Serge Vangou qui était à la caméra, à la réalisation. Mention spéciale au grand visionnaire Blaise Manzambi et Madame Lise Manzambi qui nous suivent depuis l'Europe. À Romain Lubamba également, sans oublier Guy Pablinto qui nous suit également. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre et à la prochaine, au prochain numéro. Messieurs Bavon, nous vous remercions d'avoir répondu affirmativement à notre émission. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Enfin, le DVD intégral de l'album Dans ta présence, volume 2, du frère Mike Alambay et le groupe Shekina Music. Voici votre DVD intégral. Nzambe Azalaka Mibale Azali Seye Moko. Découvrez votre DVD. Satana chamo panzi masia e wana zakuya. Bangula na biso bazana kimia atamu kiete. Satana chamo panzi masia e wana zakuya. Je vais avancer, avancer. Je vais avancer, avancer. Satana chamo panzi masia e wana zakuya. Découvrez votre DVD déclic intégral dans ta présence, volume 2. Somba DVD Nani Yamoyo. Olingo Zabiano Namituna Nayo. Kolo Fungola Likolo, Somba album Dans ta présence, volume 2. Une production de Kinexpress. Une production de Kinexpress. Congo number one. Il n'y a pas deux quoi. Donc, Balobi, Congo Yayambo. Congo Moko Namokili. Congo number one. Numéro Congo Moko Namokili. Congo number one. Taka nga moko sonia number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Te Congo number one. Number one. Congo number one. Toujours number one. Congo is number one. Hein? Oh, botunai ngalema niniva. Congo number one. Meilleur. Congo, 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 number, number, one, one, one. Donc numéro 1, c'est encore numéro 1.
Number one, toujours number one.